Ils décidèrent de cesser les tournées. Pour Brian, cela signifiait la fin des pauvres joies volées de sa passion pour John. Il fit valoir qu'il restait un contrat à honorer aux États-Unis et les Beatles acceptèrent, pour l'amour et l'amitié, de tenter ce voyage de la dernière chance. John, what exactly happened at Manila Airport? We got kicked and pushed about by some monkeys and we're very frightened. Well, how frightened were you, George? Terrified, I'd say. Yeah, it was, you know, it was very bad that there was about five sort of real big sort of funny-looking fellas with guns and all the rest of the gear. Who did all the kicking. Yeah, and, you know, they just had arranged, you know, it was so obvious they'd arranged to give us the worst time possible, you know, before we arrived. John encaissait de plus en plus mal ces débordements de haine et d'adulation. Il eut l'imprudence de dire que les Beatles étaient plus populaires que Jésus et de divaguer sur le christianisme. De l'autre côté de l'Atlantique, cette boutade fit l'effet d'une bombe. Elle allait tout faire exploser.